La communauté doit aussi réfléchir sur les défis énormes que nous avions eus. Est-ce que nous avions été à la hauteur? Est-ce que nous avons atteint nos objectifs au niveau de la croissance de l'Église, au niveau de la construction, au niveau personnel? Est-ce que chaque chrétien a grandi? Est-ce que nous avions grandi? Donc voici des questions que nous pouvons nous poser en cette fin d'année. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Faire le bilan est important. Nous ne pouvons pas commencer une nouvelle année sans nous asseoir, sans nous poser ces questions fondamentales. Est-ce que nous avons atteint nos objectifs au niveau personnel? Est-ce que j'ai grandi spirituellement? Est-ce que j'ai laissé Dieu me façonner, me transformer? Est-ce que Dieu a atteint son but en moi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les points sur lesquels Dieu m'a parlé? Les reproches, les interpellations et aussi les défis personnels. Suis-je dans la volonté parfaite de Dieu? Ai-je fait et bien fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Ma vie est-elle agréable à Dieu? Aussi dans mes relations avec les autres, est-ce qu'elles sont bonnes? Donc, autant de questions que nous allons poser pour le bilan de cette année tumultueuse, cette année bouleversante, cette année de chamboulement, cette année de grands bouleversements dans le monde entier. Chacun a vu que Dieu a été à l'œuvre pour dire aux hommes que nous sommes tous limités. Amen. Maintenant, au niveau de la communauté, bilan spirituel, bilan moral, bilan matériel, bilan aussi dans les réalisations. Que Dieu nous aide ce matin. Chacun présent ce matin prenne conscience que nous qui sommes là, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Amen. C'est parce que Dieu l'a voulu que je suis là ce matin. C'est parce que Dieu l'a voulu que tu es là ce matin. Donc c'est Dieu qui t'a gardé, qui t'a protégé durant toute cette année, qui a permis que tu sois là. Que ce Dieu-là, tu prennes conscience de sa présence dans ta vie. Et que tu rectifies le tir. S'il y a lieu de rectifier, ne continuons pas tête baissée. Quand Dieu nous garde, il nous protège. Prenons conscience, faisons un bilan et prenons des décisions importantes de relever les défis en 2024. Alléluia. Donc ce matin, mon invite ce matin, c'est nous servons dans la bataille. Nous servons dans les difficultés. Nous servons dans les épreuves. Mais nous devons vaincre. Alléluia. Nous devons vaincre.
même si c'est difficile, si la marche est difficile, nous sommes nés pour vaincre. Tu n'es pas né pour être vaincu. Tu es né pour vaincre. Alléluia. Servons tous dans la bataille et remportons des victoires dans la douleur. Voici le thème de ma prédication ce matin. Servir dans la bataille et vaincre dans la douleur. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Amen. S'il n'y a pas de péril, s'il n'y a pas de difficulté, et puis tu dis j'ai remporté une victoire, ce n'est pas une victoire, c'est une défaite. Ce n'est pas une victoire. Mais quand tu remportes une victoire, malgré les épreuves, malgré les difficultés qui sont venues pour te plier, pour te détruire, pour t'anéantir, et que tu sortes vainqueur, ta victoire est un triomphe. Alléluia. Exode chapitre 17, que nous lisons ensemble. Ce test-là, il est fondateur. Il est le dernier test sur lequel je reviens cette année 2023. Exode 17. Nous pouvons lire tout le chapitre et que chacun se lève avec respect et que nous lisions ensemble la parole du Seigneur. Servir dans la bataille et vaincre dans la douleur. Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campaient à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire... Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et de Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? » Alors vint Amalek pour combattre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre.
et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que Dieu bénisse sa parole. L'Éternel doit être notre bannière, notre protecteur, notre défenseur, celui qui combat pour nous. Nous voyons dans ce texte qui nous interpelle nous tous pour que nous apprenions que la vie chrétienne n'est pas facile. C'est un combat. Devenir enfant de Dieu, c'est avoir en face des ennemis. Israël, après sa sortie d'Égypte, la maison de servitude, entame un long processus, un voyage vers la terre promise. Israël est en marche. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les directives de l'Éternel pour la marche. Parce que Dieu veut un peuple de vainqueurs. Selon les directives de l'Éternel, qu'ils se mettent en marche. J'aimerais te dire ce matin, tu es en marche. Nous sommes en marche vers la destination finale. Israël était en marche. Une marche longue et périlleuse dans un désert brûlant. Un désert significatif. Parce que le désert, c'est l'épreuve. Le sens même du désert, c'est l'épreuve. Pour arriver à la terre promise, il faut passer par le désert. Et l'expression désert veut dire épreuve, difficulté, opposition, obstacle, empêchement. Voici le sang du désert. Israël est sorti d'Égypte, la main levée. La délivrance, elle est totale et définitive. Ils ne retourneront plus en esclavage. Ils sont sortis de l'esclavage par la main puissante du Dieu vivant. Amen. Mais une longue marche se profile devant eux. Ils doivent progresser étape par étape, selon les plans de Dieu, selon les directives du Seigneur. Mais le séjour dans le désert révèle être un temps difficile, marqué par trois situations. D'abord, le manque d'eau, la soif. Ils endurent la soif. Ensuite, la faim. Au chapitre 16, ils manquent de nourriture. Ils endurent la faim et la soif. Mais en plus de la faim et la soif, ils sont sous attaque, attaqués par les Amalécites. Voici les trois situations qu'ils ont vécues dans le désert. Le séjour au désert révèle trois épreuves. Première épreuve, la soif. Ils demandent de l'eau à boire, il n'y a point d'eau. Les désirs sont insatisfaits.
Les attentes sont insatisfaites. Ils attendent le meilleur et devant eux se dresse un mur d'obstacles. Ils ont soif. Ils ont le désir de boire, mais point d'eau. Ensuite, ils ont faim. Le désir de manger à satiété, mais ils gémissent dans ces manques. Et en plus de ces manques, voici l'ennemi qui attaque. Les Amalécites sont issus d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Ce sont ses petits-enfants qu'on appelle Amalek. Et c'est eux qui se dressent devant les enfants d'Israël. Voyez-vous, dans cette situation, il faut remarquer une chose. Pressé par la soif, pressé par la faim, il détourne le combat qui est un combat spirituel, il le détourne vers le leader Moïse. Et ils ouvrent la porte à l'ennemi. En faisant quoi? En murmurant contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Les murmures. Voici un effet négatif dans la marche du peuple. Les murmures sont récurrents dans tout peuple et parmi tout peuple qui se veut un peuple de combattants. Le mot murmure veut dire plainte. Ils se plaignent de Moïse. Ils murmurent. Ils contestent. Murmure veut dire plainte, contestation. Mépris de l'autorité. Dénigrement. Mise en doute de la présence de Dieu. Incertitude, incrédulité. Voici le sang des murmures qui ouvre la porte à l'ennemi. Les plaintes, les contestations, le mépris, le doute, les incertitudes. Même ils ont dit, est-ce que Dieu est parmi nous? Est-ce que Dieu est au milieu de nous? Est-ce que Dieu est encore vivant? Le Dieu dont prêche vous-même, le Dieu que prêche Moïse, ce Dieu-là que nous a révélé Moïse, est-ce que ce Dieu est parmi nous? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de situations? Pourquoi des attentes qui ne se réalisent pas? Une année s'achève avec des difficultés, avec des situations éprouvantes, même humiliantes. Est-ce que Dieu est parmi nous? Voici le sang des murmures. C'est mettre le doute, ou bien mettre en doute la présence de Dieu quand on est éprouvé. Amen. Le peuple de l'homme, quand il souffre, quand il est éprouvé, quand il est pressé par la soif, par la faim, des désirs insatisfaits, des attentes insatisfaites, quand il voit le contraire se produire, même des revers se produire, il se dit, mais est-ce que Dieu est parmi nous? Voici les murmures. C'est un état d'âme, un état d'esprit négatif. Et souvent, quand on murmure, on pense qu'on a raison.
Quand on murmure, on pense que on défend une cause. Ce qu'on oublie, c'est qu'on ouvre la porte à l'ennemi. Amen. Regardez dans le texte. Le verbe, il est conjugué au passé simple. Pendant qu'il murmurait, pendant qu'il contestait à Massa et à Meriba, lieu de querelle, de dispute, de murmure, de contestation, lieu de doute, lieu de mépris, lieu de plainte, c'est là que vint Amalek. Amen. Alors vint Amalek. Quand un verbe est conjugué au passé simple, vous savez, l'action est une action spontanée, une action brusque, une action qui surprend. Parce que ça se passe à un moment où, à la minute même, l'instant, alors vint Amalek pour combattre Israël à Rephidim, le lieu de contestation, le lieu de murmure, de plainte, de mépris, de doute, d'incrédulité, d'incertitude, dans ce lieu-là, vint Amalek pour les combattre. Souvent, l'image de l'Église se révèle dans l'image du peuple d'Israël. Israël est le peuple de l'ancienne alliance et l'Église est le peuple de la nouvelle alliance. Mais les mêmes éléments négatifs sont souvent parmi le peuple de Dieu et qui créent le danger, qui créent l'ouverture, qui créent la faille. Les portes sont ouvertes à l'ennemi à cause des plaintes, des murmures, des critiques acerbes, critiques destructives qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu. À cause de tout cela, on ouvre la porte à l'ennemi. Les calomnies, les critiques, les murmures ouvrent la porte à l'ennemi. Et souvent, on pense qu'on est en train de bien faire. Mais l'Église, c'est le peuple de Dieu. Dieu est présent parmi nous. Alléluia. Dieu les écoutait. Dieu sait tout. Souvent, nous, on pense qu'on est caché devant Dieu. Parce que l'homme là, il n'est pas là. On peut parler de lui comme on veut. On peut dire des choses pour contester. On peut parler derrière. Vous savez, ceux qui parlent derrière manquent de courage. Dites amen. Ils manquent de courage. Ceux qui n'osent pas parler devant. Ceux qui murmurent, ceux qui se plaignent, non seulement ils manquent de courage, mais eux-mêmes ne font rien pour que ça avance. Ils sont dans l'attentisme, dans le laxisme, et ils sont des spectateurs, souvent des supporters de tel ou tel bord. Ils ne sont pas des acteurs. Ils n'osent pas se mouiller. Ils n'osent pas aller au charbon. Mais c'est eux qui murmurent. C'est eux qui se plaignent. C'est eux qui, sans le savoir, donnent accès à l'ennemi. Dieu est présent dans cette communauté. Ce message qu'il apporte ce matin, c'est
un message de conclusion. Toute cette année, nous avons vu que Dieu a rempli sa part. Alléluia. Dieu est au contrôle. Dieu est fidèle. Le contexte de cette année difficile, Dieu nous rappelle à l'ordre pour que nous lui fassions confiance et que nous lui obéissons. Parce qu'il y a deux choses importantes. Faire confiance à l'Éternel et lui obéir. Israël ne se montre pas à la hauteur. Le texte souligne en effet le contraste entre l'attitude fidèle de Dieu, sa bienveillance, qui est encore ici attestée, sa présence est au milieu de son peuple. Il pourvoit à tous ses besoins. Il lui donne à boire, à manger, malgré les critiques, malgré les calomnies. Dieu dit à Moïse, mais frappe le rocher, alléluia, frappe le rocher qui donne à boire ce peuple. Prends le bâton de l'autorité et frappe le rocher. Ne te laisse pas distraire. Mais remplis ta part de responsabilité. Amen. Frappe le rocher et que l'eau sorte du rocher. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est bienveillant. Dieu est présent. Alléluia. Dieu pourvoit à nos besoins. Nous sommes là ce matin, Dieu a pourvu. Besoin de santé, besoin de nourriture, des désirs ont été satisfaits, même si des situations nous ont surpris, même si des situations restent en suspens, ou bien des situations restent sans solution encore, mais Dieu est fidèle. Alléluia, Dieu est fidèle. Il faut lui faire confiance. Il faut continuer à obéir au Seigneur. Ce matin, tu es là. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin. Mais Dieu te dit, il demeure fidèle. Fais-lui confiance. Dieu est ton pourvoyeur. Voyez-vous, cette fin d'année, beaucoup ont expérimenté déjà des miracles. Alléluia, des miracles de délivrance. Des miracles, des déblocages. Nous sommes là ce soir pour un témoignage. Mais pour l'heure, sache que ton Dieu est présent dans ta situation. Dieu n'est pas en dehors, non seulement de ta vie, mais de la situation que tu traverses. Dieu est avec toi. Il a prouvé, durant toute cette année, par ses interventions miraculeuses, Dieu a combattu pour toi. Il t'a défendu devant tes ennemis. Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Mais souvent, nous, notre attitude est comme l'attitude d'Israël, marquée par d'incessantes plaintes, d'ingratitude. Vous savez, quand on se plaint, on est ingrat. C'est le mot qui manquait, que je cherchais. Tous ceux qui se plaignent, tous ceux qui contestent, qui mettent en doute la présence de Dieu, qui sont dans les incertitudes. Non seulement ils manquent de courage, ils démontrent qu'ils n'ont pas la foi en Dieu, mais en même temps, ils démontrent leur ingratitude vis-à-vis de Dieu. Regarde, cette année, fais le bilan, tu vas voir. Il y a des situations que Dieu a mises en place dans le monde invisible. Tu n'as pas vu cela, mais Dieu a défendu ta cause. Dieu s'est mis en marche pour toi. Dieu, au plus fort des combats, Dieu était au devant de tes combats. Dieu t'a délivré. Dieu t'a protégé. Dieu a pourvu à tes besoins. Il est le même. Fais-lui confiance. Obéis à sa parole. Amen. N'entre pas dans des groupes de contestation. Dis Amen plus fort. N'entre pas dans les groupes de murmures.
qui n'avancent pas l'heure. Il y a qui soulignent les erreurs. Ils sont prêts à souligner, à voir ce qui n'a pas marché. Mais eux-mêmes ne soulignent pas ce qui n'a pas marché dans leur propre vie. Ils n'ont jamais souligné ce qui n'a pas marché dans leur propre vie. Mais ils soulignent ce qui est à l'extérieur. C'est leur travail, c'est de souligner. C'est de voir. C'est de dire non. Ce n'est pas ça. Ça n'apporte rien à l'œuvre de Dieu. Au contraire, Amalek, tu ouvres la porte à Amalek. Ce matin, fermons les portes de l'enfer sur cette communauté. Fermons les portes de l'enfer. Fermons les portes d'accès à l'ennemi. Que chacun prenne conscience qu'en fait, ce qui nous bloque, ce n'est pas d'abord nos ennemis, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous bloquons. Nous sommes en marche. L'ennemi ne peut rien faire contre ma vie, contre ta vie. Mais souvent, l'ennemi nous dit, c'est pour dire, tu vois, ce Moïse-là, regarde sa tête un peu, comment il est. Regarde comment il marche. Regarde ce qu'il fait. Regarde. On oublie le passé. Et on pense qu'on est en train de servir Dieu ainsi. Comme des personnes se retrouvent à deux, à trois, pour critiquer. Regardez-moi bien ce matin. Pour murmurer, pour se plaindre, même de leur situation, de leurs conditions. Ils vont exposer cela à d'autres personnes. Mais tu ouvres la porte à l'ennemi. Amen. Tu manques de courage. Tu manques de foi. Dieu m'a appelé à le servir. Et je sers Dieu par la foi. Et non par la vue. Je ne dépends pas de l'homme. Je dépends directement de Dieu. Amen. Mes besoins, je les présente à Dieu. Et non à l'homme. Vous m'entendez bien ce matin? Je ne me présente pas devant un homme pour dire, voyez, tu vois, ma situation est telle, ceci ou cela, ça n'est pas. Non. Même quand dans la prière que tu demandes, dans l'intercession que tu fais, si c'est une intercession de critique, elle ne construit pas. Que Dieu nous aide ce matin, en cette fin d'année, année tumultueuse. Et nous sommes sortis, la main levée, alléluia. Dieu nous a fait sortir du tumulte. Une année se profile à l'horizon, dans quelques heures. Mais Dieu veut qu'au milieu de nous sortent les critiques, les murmures, les plaintes, les calomnies, les souligneurs, les spectateurs, les supporters. Dieu veut des acteurs. Dites Amen maintenant. Amen. Nous avons affaire à des ennemis coriaces. Il y a la réalité du combat spirituel qui est devant nous. Et Satan nous distrait. Il veut que nous nous préoccupions des choses inutiles. Amalek est descendant d'Ésaü, issu de la chair. Souvent, nous oublions quelque chose. Nous voyons des ennemis externes automatiquement quand on devient chrétien. C'est les sorciers. C'est celui ou cela. C'est-à-dire, notre combat est dévié. Est un combat charnel. Or, ce que Satan fait, la chair devient son tremplin. Il passe par la chair. Il attaque par la chair. Amalek est issu de la chair. Et celui qui attaque Israël, il fait partie du sang d'Israël.
de sa nature, il est sorti d'Israël, et c'est lui qui attaque Israël. Ce matin, tu es ton propre ennemi. Dis amen. Tu es ton propre ennemi. Ne viens pas autour de toi. Parce que l'ennemi va se servir de ce qui est en toi pour t'affaiblir. Amalek signifie les attaques des ennemis sur les faiblesses de ta chair pour détruire l'œuvre de Dieu dans ton esprit, dans ta mentalité. Quelle est ta mentalité ce matin? Dans ce jour, Dieu m'a dit, quand tu veux des choses meilleures, tu veux des choses en cette année nouvelle, tu veux que ça change. Dieu m'a dit, il faut que ça change d'abord en toi, à l'intérieur de toi, que ta mentalité change. Mais si tu as une vieille mentalité, une mentalité rétrograde, une mentalité qui accuse, une mentalité qui se plaint, une mentalité vieille, et puis dans ton comportement, dans même tes habillements, tu veux que tu fasses de nouvelles choses. Mais ce sont les mêmes vieux habits que tu portes. J'allais au village dans ces jours, j'ai fait ma valise, j'ai mis mes vieux habits là, beaucoup de vieux habits dedans. Ma valise, je l'ai oubliée. Je suis allé, la seule tenue que j'avais, c'est ça que j'ai porté là-bas, et puis Dieu a fait le miracle pour me donner de nouveaux habits. Dieu m'a dit, tu as vu, tu veux aller dans des choses meilleures, mais tu es encore attaché à la vieillerie. Tes vieux manteaux, le même vieux manteau là, dans ta cantine, des vieux habits, dans ta maison, des vieux meubles, dans la communauté, des vieilles joutes. Comment voulez-vous que le vin nouveau arrive? Donc, la mentalité et la confession de foi sont importantes. Amen. Ce matin, change de mentalité, de conception, d'approche. Parce que Dieu, il accomplit ce que tu veux. Alléluia. Ce que tu désires, il te donne ce que tu désires. Les désirs de ton cœur, c'est que Dieu satisfait. Ce n'est pas autre chose. Si les désirs que tu as sont compatibles aux désirs de Dieu, il accomplit le miracle dans ta vie. Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Dieu veut mettre en place de nouvelles dispositions. Dieu veut faire en cette année 2024 des choses nouvelles. Dieu veut tourner la page avec toi. Quitte la vieillerie, les vieux habits, les vieilles mentalités, les mêmes paroles négatives, de contestation, de murmure, de calomnie, ça me t'abuse tout le temps. Arrête de murmurer, arrête de te plaindre. Et le langage de la foi. Alléluia. Tes ennemis sont nombreux. Ne n'ouvre pas la porte à l'ennemi. Ferme la porte à l'ennemi. Et un raisonnement logique. Argumente. Parle toi-même pour te défendre. Occupe-toi de ce qui te regarde. Dans le bon sens. Vous savez, notre combat, même si Amalek est issu de la chair, mais notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Amalek, lui, son travail, l'ennemi l'utilise pour venir de l'intérieur, de tes conceptions, de ta mentalité, de ta confession négative. C'est ce que Satan utilise pour t'affaiblir. Et souvent, on s'affaiblit nous-mêmes. On devient faible. Parce qu'on parle beaucoup. On dit tout. On bavarde, on se plaint, on murmure,
Et on se décharge spirituellement. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme une batterie que tu charges. Hein? La batterie, il faut la charger. Mais ce qui décharge la batterie, c'est le langage, les plaintes, les murmures. Ça dit, ça te décharge. Regardez Jésus lui-même, il se déchargeait. Il était déchargé quand il fait un miracle. Sa température baisse. Quand la femme l'a touché, il a vu qu'une force l'a quitté. Il y a la force de Dieu en nous. Que la force ne te quitte pas. Par ta propre faute, tu peux te décharger spirituellement. Par tes paroles. Reparlez, dis-toi à tout le monde. Tout ce qui te monte à la tête, le dis. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de discrétion dans ta vie. Tu n'es pas discret. Tu n'as pas de la retenue. Tu parles seulement, tu dis à tout le monde, tu ne sais pas qui est ton ennemi, qui Satan envoie pour t'espionner. Et quand tu parles seulement, ce matin, que Dieu te recharge. Alléluia. Que Dieu te recharge ce matin. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 18. Le diable est organisé. Notre combat n'est pas contre la chair. Ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat contre les hommes. Tu vois, quand ils voient les gens, ils voient les sorciers, ils disent, mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous passez à côté du vrai combat spirituel. Et ils voient les sorciers qui sont des hommes, des esprits subalternes, analphabètes. C'est eux qu'ils voient. Comment un vieux qui est au village, il a vieilli, lui, c'est lui qui s'oppose à toi, à ton avancée, à ton succès. Et c'est lui que tu vois, tu perds ton temps. Au-delà, vois les dominations. Vous savez pourquoi la Bible les appelle les dominations? Ils veulent dominer ta vie, t'embrigader, t'empêcher de t'en sortir. Et leur travail, c'est de dominer. Dominer ta conscience, dominer ton esprit. Te rendre comme un prisonnier. Diriger ta conscience. Voici le travail de domination. Si tu n'as pas compris cela, c'est une classe de démons que Satan a envoyé pour t'empêcher d'avancer dans ton canon spirituel. Il ne veut pas que tu avances. Tu es sorti d'Égypte. Il veut que tu aies dans le désert, que tu meurs dans le désert, mais refuse de mourir dans le désert. Tu dois entrer dans ton canon. Alléluia. Refuse de mourir dans le désert. Refuse que ton langage soit un langage de foi. Que tes pensées soient renouvelées, transformées et des pensées constructives. Des pensées qui construisent ton avenir. L'homme est ce qu'il pense. Et l'homme devient ce qu'on dit. Quand tes pensées sont négatives, ta vie est négative. Quand tu n'as que des pensées négatives pour toi-même et pour les autres, tu n'avanceras pas. Tu te bloques. Et Amalek vient. Quand tes paroles sont négatives, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu as des ennemis énormes qu'on appelle domination. C'est une classe de démons. Satan est organisé. Dans son royaume, il est organisé. Et la première classe de démons, dans sa hiérarchie, domination. Deuxième classe, autorité. Pourquoi il parle de nom d'autorité? Il s'attaque à tous ceux qui sont en position d'autorité. Que ce soit dans la famille, dans l'église, dans la société. Ces classes de démons s'attaquent aux autorités. Ils veulent les affaiblir, les détourner de la voie légale. Ils veulent les empêcher en tant que protection familiale. Couverture familiale, que
cette couverture quitte la vie des enfants et que les enfants soient exposés aux fléaux actuels. Ils s'attaquent aux autorités, surtout des familles. Principauté, troisième classe de démons. Et ils s'attaquent aux princes et aux princesses. Tu es un prince, je suis un prince, tu es une princesse. Satan a envoyé cette classe de démons pour t'empêcher de jouir de l'héritage que Dieu t'a conféré. De vivre pleinement dans ton héritage. T'empêcher de jouir de ton héritage. Et puis la dernière classe, esprit méchant, qui respire la méchanceté, la destruction, des esprits sanguinaires, des esprits de meurtre, d'assassinat, de tuerie. Et ils sont envoyés par Satan pour éliminer les vies humaines, pour les détruire, en provoquant des accidents. Ces esprits-là respirent la méchanceté. C'est pourquoi on les appelle les esprits méchants. Mais comment les vaincre? Dieu te donne des armes spirituelles. Alléluia. D'abord, je vais te dire, ne prends pas, n'emprunte pas à l'ennemi ses propres armes pour le combattre. Refuse les faux combats. Premièrement, refuse les combats charnels, déviationnistes. Refuse ces combats. Ce sont des faux combats, des luttes internes, les luttes de positionnement, les conflits, les compétitions. Refuse cela. Dieu t'a créé pour un but sur la terre. Tu es unique aux yeux de Dieu. Tu as ta place, tu as ton potentiel vital en toi. Dieu te permettra d'occuper un poste de responsabilité selon les compétences que qu'il a mis en toi. Refuse d'imiter, refuse de compétir, refuse la concurrence. Reste toi-même et avance avec Dieu. Alléluia. Combien de personnes veulent faire comme les autres? Ils veulent imiter. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ils se disent que celui-ci a pris ma place. Qui a pris ta place? Personne ne peut prendre ta place. Tu es unique. Découvre le potentiel que Dieu a mis en toi. Alléluia. Refuse les faux combats. Oui, il veut prendre ma place. Oui, il veut faire ceci, cela. À cause de ça, tu es rempli maintenant de vilains sentiments envers la personne. Vilains sentiments qui ouvrent la porte à l'ennemi. La haine, la jalousie, la méfiance, l'hypocrisie. Combien d'hypocrites? Combien de personnes sont remplies de vilains sentiments pour détruire la vie des autres? Ce matin, prends les armes spirituelles. La vérité pour ceinture. Amen. Voyez-vous, un chrétien, il est dans la vérité. Il refuse tout ce qui est mensonge et hypocrisie. Il marche à visage découvert. Il ne murmure pas. Il ne parle pas derrière. Il marche dans la vérité. Amen. Jésus est la vérité. Satan, c'est le mensonge. Satan est hypocrite. Satan est rusé. Il est malin. Mais Jésus est la vérité. La vérité, c'est une arme spirituelle. Elle n'est pas externe, elle est interne. Parce que c'est de l'intérieur que ça part. Ta victoire part de l'intérieur. Elle n'est pas superficielle. Marche dans la vérité. C'est une ceinture. Quand tu es bien habillé et que tu mets ta ceinture, on voit que tu es bien habillé. Alléluia. Ça te tient. Pour les femmes là, nos mamans, elles ont leur ceinture. Elles attachent leur ceinture. La ceinture te sécurise. Alléluia. La vérité est ta sécurité en face de tes ennemis. Si tu veux les vaincre, marche dans la vérité. Dis la vérité selon ton cœur. Ne trompe pas les gens. Ne sois pas malhonnête. Sois intègre. Quand on parle de vérité, on parle d'intégrité, de loyauté, d'honnêteté, de justice. La cuirasse de la justice, cuirasse de protection.
le zèle que donne l'évangile de paix ne baisse pas les bras dans l'évangélisation. C'est une arme spirituelle que tu as. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler de Christ à quelqu'un, il y a une victoire qui est proclamée dans le lieu. Jésus-Christ, il faut parler de Jésus. N'aie pas honte du Christ. N'aie pas peur. Prêche l'évangile en tout temps, en toute occasion. Que ça soit favorable ou non. Prêche la parole de Dieu. Alléluia. C'est une arme spirituelle que tu as. Comme le temps presse, je vais souligner deux âmes puissantes. La parole de Dieu est une âme puissante que tu as. Amen. En cette année 2024, médite-la jour et nuit. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Et l'esprit est vie. Devant l'ennemi Jésus, qui est la parole incarnée, il n'a pas pris ses raisonnements ailleurs. Il n'a pas dit celui-ci a dit. Celui-ci a fait ça. Celui-ci a dit ça dans... Non, il n'a pas pris une parole ailleurs. Il a dit, il est écrit. Satan a peur du mot, il est écrit. Cite la parole de Dieu. Dis-la, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Dis la parole de Dieu. Quand l'ennemi vient comme un fleuve pour te détourner, pour te faire dévier, renonce sur lui la parole écrite qui se transforme en remarquant et sort de ta bouche. Une parole puissante qui ébranle le royaume de Satan. Combien de chrétiens raisonnent, argumentent? Celui-ci a dit, tel leader a dit. Dis ce que Dieu dit. Alléluia. Dis la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse, lève-toi, prends ton bâton d'autorité, frappe le rocher. Dieu lui a dit, il a marché sur la parole de Dieu, il a obéi à la parole de Dieu. Il n'a pas pris ses propres plans pour vaincre Amalek. Josué non plus. Il n'a pas pris ses propres plans, des techniques pour vaincre Amalek. Il est allé avec la parole de Dieu, l'épée. La parole de Dieu est une épée puissante, tranchante. Josué a pris l'arme de la parole de Dieu. Moïse a obéi à Dieu. Josué a vaincu Amalek par le tranchant de l'épée. Le tranchant de la parole de Dieu. La deuxième âme puissante que l'Église doit conserver, la vie de prière. Alléluia. Quand Moïse lève les bras, c'est un principe biblique. Quand l'Église prie, les portes de l'enfer sont ébranlées par la prière de l'Église. Quand nous levons les bras vers le ciel et que nous intercédions, que nous prions, que nous sommes intensifs dans la prière, que nous ne baissons pas les bras pour des difficultés, ce matin, que ton sanctuaire soit enflammé à nouveau au nom de Jésus-Christ. Ton lieu de prière soit enflammé au nom de Jésus-Christ. Ne baisse pas les bras à cause des difficultés, des problèmes, des épreuves. Lève dans la prière. Quand Moïse lève les bras vers le ciel, Israël est plus fort. Alléluia. Le mot plus fort ici, David, Israël prend de l'avantage sur son ennemi. Quand il baisse les bras, Amalek prend l'avantage. Que faire? Quand il baisse les bras, c'est Amalek qui prend l'avantage. J'aimerais te dire ce matin, Satan peut prendre des avantages sur ta vie, mais qui ne remporte pas la victoire sur ta vie. Il y a des moments où tu baisses les bras, où Satan prend l'avantage. Tu baisses les bras, où tes ennemis apparemment semblent être plus forts que toi. Mais ce matin, que tes bras soient fermes dans la prière. La prière est une âme puissante. Elle vient avant toute œuvre, avant l'évangélisation, avant la prédication. Ce matin, avant de prêcher, je dois prier le Seigneur. Je dois me mettre à genoux devant Dieu, chercher sa face pour que la parole de Dieu soit puissamment annoncée. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de vie dans ce que tu dis. Que ta vie de prière reprenne. Si tu veux voir la gloire de Dieu, la victoire, en cette année 2024 qui va commencer bientôt, si tu veux voir la main agissante de Dieu dans ta vie, tes ennemis se plier, tes ennemis amenés captifs, ce matin, que les faux raisonnements quittent ta vie, que tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu soit renversé dans ta vie, et que tu prennes les armes spirituelles, la parole de Dieu, âme puissante et la vie de prière.
Dans l'église, c'est ça. L'intercession doit être le soutien aux mains des leaders spirituels. Aaron et Hur ont soutenu les mains de Moïse. Ils ont intercédé pour Moïse. Ils ont prié pour lui. Ils ont aidé à maintenir la flamme de la prière. L'ancienne alliance, c'était Moïse. Mais la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Il est l'intercesseur par excellence. Hébreux 7, verset 25. Il intercède pour moi au ciel et pour toi au ciel. Le Saint-Esprit est un intercesseur. Il intercède pour toi qui es né pour vaincre. Tu as deux intercesseurs puissants. Jésus-Christ au ciel, le Saint-Esprit sur la terre, sont des puissants intercesseurs qui prient pour toi. Mettez la flamme de la prière dans ta vie. La victoire est possible. Tu sais, dans la bataille, tu dois vaincre dans la douleur. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Malgré les périls, triomphe. Tu es né pour triompher. Tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être vaincu. Que 2024 t'apporte de grands succès dans ta vie. Que tu vois Dieu agir de manière puissante. Que tes ennemis capitulent. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais qu'ils fuient par sept chemins. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse sa parole. Amen.